Les équipes, c'était rarement en supériorité pour voilà, pouvoir faire le break. Et c'est vrai qu'on montait les boss assez vite, mais derrière, il y avait des regroupements. Voilà, donc voilà, tout le monde, je pense, appréhende un peu l'étape de demain et le week-end niçois. Donc tout le monde va arriver avec ce maximum de force dans la montagne. À quoi peut-on s'attendre justement demain à la Madone du Tell? Bah, le classement général va se décider demain, hein. C'est pas une surprise. Et bon, je pense pas que les écarts sont si importants que ça. Ça va être une... à l'arraché dans le finish, mais voilà, c'est Paris-Nice qui va se jouer demain. C'est stressant? Bien sûr, c'est stressant, parce que a fortiori, là, ça fait 5 jours qu'on est sur les freins et on attend la montagne. Et là, il n'y a aucun écart qui se fait. Et voilà, vivement que ça se décompte.